Seigneur, de nous visiter ce soir. Nous avons demandé à Dieu de nous délivrer, de nous accorder la grâce de la délivrance ce soir. Nous avons demandé la puissance de Dieu. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier et demander au Seigneur de te visiter. Levez la main. Prions ensemble, Seigneur. Prions. Tout le monde, on prie. Nous levons la main et chacun parle et chacun demande une grâce particulière de la part du Seigneur. Je vois tout le monde prier. Demandez quelque chose de la part du Seigneur. Demande un miracle de la part du Seigneur. Demande au Seigneur de te visiter ce soir. Demande au Seigneur de te toucher. Demande au Seigneur de t'accorder une grâce particulière. Demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Nous prions le Seigneur et demande au Seigneur de se manifester. Prie le Seigneur. Je veux voir tout le monde en train de prier. Dis à Jésus de te toucher. Dis à Jésus de te manifester dans ta vie. Dis au Seigneur de te toucher. Dis au Seigneur d'agir pleinement dans ta vie. Dis au Seigneur d'agir et de glorifier son nom dans ta vie. Dieu est un Dieu de miracle. Dieu est un Dieu de miracle. Que le Seigneur te touche cette nuit. Et que le Seigneur te visite. Que le Seigneur t'accorde sa délivrance. Que le Seigneur t'accorde toute cette grâce. Demande la main quand nous prier. Et demandons au Seigneur de nous bénir. Nous prions le Seigneur. La puissance de la puissance. Jésus te touche, Jésus te touche. Jésus te touche, reçois ton miracle, reçois. La puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche, la puissance de Dieu te touche. Libère. Libère. Jésus te touche. 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 La puissance. Reçois ta délivrance. Pendant que je te voyais derrière, je voyais ta mère autour de toi. Et bizarrement, je l'ai vu avec un sexe masculin. Et puis elle est éjaculée, c'est-à-dire sur moi, hein, c'est la vision. Elle est éjaculée sur toi. Et ta maman t'a épousé spirituellement. Voilà. C'est une cause assez délicate dans ta vie. D'accord ? Reçois ta délivrance. Thank you.
la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Lâche sa vie. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus. La main de Dieu te touche. Recevez la grâce de Dieu. Je libère toute ta destinée, je libère ta carrière, par la puissance du cœur, dans le nom de Jésus. Je libère ta carrière. La puissance de Jésus va briser cette prison mystique dans laquelle l'ennemi t'a mis. Je proclame la délivrance de toute ta vie. Je proclame ce soir la puissance de la délivrance de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclame ce soir la délivrance de Jésus. Proclame la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Libérer sa vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas lâcher sa vie. Tu vas lâcher sa vie au nom de Jésus. Tu vas lâcher sa vie. La puissance de Jésus te visite. Lâche-la. Tu vas la libérer. Je vais la fatiguer. Qui es-tu? Je suis son père. Pardon? Je suis son père. Tu es son père, comment tu t'appelles? Je suis son père. Tu es son père? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait de sa vie? C'est ma femme. C'est ta femme. Depuis quand? Depuis quand elle est ta femme? Depuis qu'elle était petite. Depuis quand elle était petite? Oui. Et qu'est-ce que tu as détruit dans sa vie? Son mariage! Tu as détruit son mariage. Quoi d'autre? Tu as détruit quoi encore dans sa vie? Son argent! Tu as détruit son argent. C'est ça? Et quoi d'autre? Oh, c'est une grande femme qui a détruit tout. Qui a détruit tout? Tu as détruit tout? Oui. C'est ça? Oui. Bon, aujourd'hui... Je te la donne. Prends-la, c'est ta fille. Pardon, t'as dit? Pardon? Prends-la, c'est ta fille, mon père. Et tu viens d'où? Je viens de Takwayo. Takwayo, c'est où? Saïwa. Ah, Saïwa. Ça dit la Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Et là, lâche-la. Tu m'entends? La lumière est là. Je proclame sa délivrance maintenant. Je proclame sa délivrance maintenant. Dans le nom de Jésus, je proclame ta délivrance. J'adore au nom de Jésus. Pas. Sors! Libère totalement sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance.
Continuez les prières, s'il vous plaît. Continuez. Continuez les prières. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Non, 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 non. Ne me touche pas. 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 Pourquoi? Ne me touche pas. Pourquoi? Ne me touche pas. Qui es-tu? Pas le droit de me toucher. Tu vis où? Mon village. Tu vis où? Mon village. Tu vis où? Mon village.
Tu vas voir que tu vas aller beaucoup aux toilettes, tu vas beaucoup uriner et tu vas voir que le pied va diminuer, tu rendras témoignage. Dis amen. La puissance de Dieu va te visiter et tu rendras gloire à Dieu. Dieu vous chante.
Tu vas l'exécuter
parce que Jésus a décidé qu'elle soit libérée. Tu m'entends? Tu vas l'exécuter. Si, tu vas partir de sa vie. Tu m'entends? Tu pars, tu quittes sa vie. Tu quittes sa vie. Si, tu vas partir. C'est un ordre. Ça ne se discute pas. Ça ne passe pas. Tu pars de sa vie. Tu l'as rendu malheureuse. Il l'a rendu malheureuse, mais Jésus l'a dit aujourd'hui. Je la laisse cette envie de la gloire. Voilà, lâche-la. Si, lâche-la, 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 lâche-la. Si, lâche-la, 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 libère-la, lâche-la. Si, lâche-la, 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 au nom de Jésus. Son âme est libérée maintenant. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu te touche. 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 Je te chasse de ça. Lâche-la. Thank you.
vie. Mais tu l'as et déjà fait. Je le fais et je le ferai encore et encore. Parce que c'est comme ça. Elle doit avoir beaucoup d'argent et je ne veux pas. Ah bon? Oui. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et tu l'as eu comment? Je l'ai eu parce qu'on me l'a donné. Qui te l'a donné? Je vais tout vous expliquer. D'accord. Avant sa naissance, oui. Ses ancêtres, ils ont fait un pacte. Quel ancêtre? Ses ancêtres. Du côté paternel, maternel. Les deux. Les deux. Mais c'est du côté de son père que son fils agressif. Oui. Donc, en gros, à chaque grossesse, elle doit souffrir. Pendant 9 mois, elle est malade. Elle perd beaucoup de kilos. Ça peut aller jusqu'à 25. Ses grossesses se passent très très mal. Et c'est moi qui fais ça. Et là, dernièrement, elle était enceinte. Et comme elle ne pouvait pas, elle a avorté. Et du coup, j'ai cet enfant avec moi. Je le garde et je ne lui donne pas. Tu as cet enfant d'elle. Et comment toi tu t'appelles? Moi? Oui, l'esprit, oui. Ah. Tu as cet enfant d'elle. Non, j'ai tous ses enfants. Mais tu as dit 7 ou tu as dit tous ses enfants? J'ai ses enfants. Ah d'accord, donc bon, tu as tout ça. Ça veut dire que... Oui. Je m'explique. Ne soyez pas pressés. Alors, en fait, tous ces enfants, je les mange. Tu les manges? Oui. Est-ce qu'on mange les enfants? Ah ben moi je les mange. Mais tu n'es pas gentil? Non. Pourquoi tu veux manger les enfants? Parce que après j'ai de la force. T'as besoin de la, t'as besoin de la force. C'est dangereux, tu es méchant. Non. Tu vas la libérer. Mais je peux pas. Si. Non, parce que déjà, je ne suis pas toute seule déjà. Et déjà, on est beaucoup. Et en plus de ça, elle est attachée. Et en plus de ça, elle doit mourir. Donc je ne peux pas la lâcher jusqu'à ce que je la lâche. Il y a un seul nom puissant. Le nom de Jésus. Et ce nom est prononcé sur elle. Et je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame sa libération. Elle doit être libérée. C'est une libération. Maintenant, ça ne se discute pas. Tu ne commandes pas. Il y a un être suprême qu'on appelle Jésus. Et pour, à cause d'elle, Jésus a donné sa vie pour qu'elle soit délivrée. À cause d'elle, Jésus a donné sa vie. Et Jésus est ressuscité. Tu l'as plongé dans la mort. Tu as détruit toute sa vie. Tu l'as rendu malheureuse. Mais voici Jésus. La libère maintenant. Et tu vas partir. Je réclame cette vie. Si tu vas partir, je la libère. Si. Feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu consume les œufs. Le feu! Le feu! Sur toutes les œufs. Le feu consume les œufs. Lâche-moi. Je brise en libérant son âme. Je libère 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 son âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle expérimente aujourd'hui la puissance de la délivrance dans le nom de Jésus. Tu quittes définitivement sa vie. Tu quittes sa vie. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu la libères maintenant. Tu la libères maintenant. C'est un ordre. Je brise les pactes. Je brise au nom de Jésus. Toute forme d'alliance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je libère son âme, son esprit et toute sa vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Aujourd'hui même, elle expérimente la puissance de Dieu. Elle expérimente la puissance de la délivrance. Je renonce à cette mort. J'annule cette mort sur sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, si, parce que sa vie appartient à Dieu. Il est le seul à décider de son sort. Il est le seul. Il est le seul à décider. Et c'est pour cela que tu pars en libérant sa vie. Tu pars en libérant sa vie. Tu vas la libérer parce qu'aujourd'hui est le jour de sa délivrance. Elle sera libérée. Pour elle, Jésus a donné sa vie. Amen. Pour elle, Jésus a donné sa vie. Amen. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. C'est ça, Jésus, en son nom, je communique la vie à cette sœur. Amen. Je communique cette force de délivrance à cette sœur.
Je communique le pouvoir de la restauration à cette sœur, la puissance de la délivrance. Son âme connaîtra la délivrance. Son âme. Ce qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est sa délivrance. Ce qui m'intéresse, maintenant tu parles. Tu m'entends? Non, tu n'es pas plus puissant que Jésus. Oui. Tu n'es pas plus puissant que Jésus et tu vas partir. C'est un ordre. C'est un ordre. Tu iras au nom de Jésus. Tu iras au nom de Jésus. Cette vie ne t'appartient pas. Tu m'entends? Cette vie ne t'appartient pas. Jésus la libère maintenant. Jésus la libère maintenant. La puissance. La puissance de Dieu, le feu consume tes œufs dans ce corps. Le feu consume tes œufs dans ce corps. Le feu consume tes œufs dans ce corps. La puissance de Dieu. Seigneur, merci. La grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu. Pour le respect de sa vie. Merci. La libération totale de son âme. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et libérer totalement sa vie. Merci de libérer totalement sa vie. Merci. Je vais le merci. La puissance de Jésus-Christ, cette vie appartient à Jésus. Voilà, le pacte est brisé. Les alliances sont brisées. Nous avons du feu. Aujourd'hui, la fin de ton règne. De ton règne. Tu m'entends? La fin de ton règne. La fin de ton règne. Dans sa vie. La fin de ton règne. La fin de ton règne. Dans sa vie. La fin de ton règne dans sa vie. Tu m'entends, la fin de ton règne dans sa vie. La fin de ton règne dans sa vie. La fin de ton règne. Oui, au nom de Jésus, tu la libères. La puissance de Dieu. 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 La puissance de La feu le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres. Le feu. Ton œil prend fin. Voilà, tu pars. Voilà, c'est la fin, c'est pareil, ça c'est pas. Jésus, va-t'en et libère. Va-t'en. Il a libéré. C'est un homme. Va-t'en. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Oh,
manger des fruits. Son créateur a besoin d'air. Soyez-le. Chauvez. Lâche-toi. Chauvez. L'éternel a besoin d'air. Au nom de Jésus. Chauvez. Jésus-Christ a besoin d'air. Chauvez. Il ne voulait pas partir parce qu'il savait qu'il allait partir.
Et quand c'est dit qu'il a prié, peu importe ce qu'il est, c'est qu'il y a. Mais celui qui a prié, non, c'est Dieu. Quand toi, ben, tu veux que Dieu, quand il est, Dieu t'a délivré. Et si Dieu te délivre, il faut le suivre. Amen. Il faut bénir nos voix en entretien ce jeudi. C'est-à-dire si nous avons ce jeudi, tu peux en disposer. À partir des 17h avant ça, viens-nous en entretien, on puisse t'aider dans les paroles, mais ne monte pas. Parce que le diable dit que tu as une destinée glorieuse, tu vas de l'argent. Et moi je crois que ce que le diable dit, c'est pas faux. Le diable ça des bonnes personnes. Ça va? On t'appelle juste. Est-ce qu'on peut se délivrer nous? Et nous allons prier. Nous allons prier. Mettez la main sur votre tête pour ceux qui sont malades, touchez votre tête. Vous allez voir une option spéciale de guérison. Une option spéciale de guérison. Une option spéciale de guérison. Je veux parler à la maladie de mon corps. Je veux ordonner à la maladie de quitter votre corps. Je parle à la maladie. Je m'adresse à cette maladie qui est dans ta vie. Je m'adresse au sida. Je maudis la prison du sida dans mon corps. Cette maladie. Oui, dès incurable, je parle à cette maladie. Pendant que je parle, la main de Dieu te touche là où tu es. Et le mal part de ton champ. Je maudis la prison du sida dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus purifie ton champ. Jésus agit maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu as une intervention. Jésus guide ton cœur. Jésus te rétablit là où tu es. Tu reçois un miracle de la part de Dieu. Tu reçois un miracle de la part de Dieu. Une onction spéciale vous touche. Une onction spéciale vous visite. Maintenant, vous croyez. Croyez par la foi que Dieu vous touche. Croyez par la foi votre miracle. La main de Dieu vous guide maintenant. La main de Dieu vous guide maintenant. Jésus vous guide, Jésus vous guide, Jésus règle tous vos soucis maintenant même. Jésus règle vos soucis, la puissance de Dieu vous visite, cette main de Dieu vous visite maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vous délivre. Là où tu es, peu importe ta position dans la salle, tu reçois un miracle de la part de Dieu, peu importe ta position, là où tu te trouves, là, tu reçois la main de Dieu, qui te touche, et Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus. Te guéris là où tu es. Jésus, te guéris là où tu es. Quelque chose marche dans ton corps, mais Dieu enlève cette chose. Dieu te guérit de cette chose. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce, reçois la puissance au nom de Dieu qui te guérit maintenant. Recevez le miracle de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu es délivré, on dit Amen. Amen. Est-ce qu'on acclame Jésus?